Amitié Espérance, c'est un mouvement qui fait partie en fait de la pastorale de la santé. Il s'adresse aux personnes qui ont des difficultés psychiques, des maladies psychiques. Et nous sommes des petits groupes autour de ces personnes pour les écouter, pour répondre à leurs besoins et dans un esprit d'entraide et d'amitié et d'espérance, comme le nom l'indique. Mais Amitié Espérance, ça m'apporte beaucoup de choses, ça m'apporte pour rencontrer du monde, etc. Et puis ça me fait grandir davantage et je souhaite continuer jusqu'au bout si c'est possible, avec un peu d'aide s'il faut. Mais j'aime beaucoup cette association Amitié Espérance. Depuis le début de l'année, nous discutons, nous travaillons, nous échangeons sur le thème de la rencontre. Donc, nous avons eu plusieurs séances où nous avons partagé. Et puis, depuis 2-3 fois, nous avons décidé de faire plusieurs groupes. Donc, il y a un groupe écriture, poésie, texte, et puis un autre groupe qu'on verra peut-être tout à l'heure et qui est plus atelier peinture. Le but, c'est d'échanger sur la rencontre, montre-moi ton visage. Voilà, le tout dans le respect de chacun. On voit bien que chacun s'exprime, s'écoute. Au fur et à mesure des semaines, qu'il y a. Il y a le regard qui est le plus important. Et il y a même des regards qui peuvent nous marquer jusqu'à la fin de la journée. Hein. Oui. Tellement c'est fort. Mais bon, je pense que là, il y a aussi, nous, on fait l'expérience de cette traversée à l'intérieur aussi, quand on voit ces jours-là. Avant la prière, c'est Mozart, on est un peu triste. Enfin, on peut être un peu triste, quoi. Ça peut nous parler dans notre vie. Et là, on prie, donc on prie le Christ, l'Esprit Saint, quoi, enfin le Christ. Et après, ça va mieux, il y a du soleil, puis il y a un ruisseau qui, avec l'eau qui symbolise la vie, quoi.